L'étang Chevray fait partie des étangs d'art. Je sais que certains s'intéressent à l'art contemporain. J'aurai des exemples d'art contemporain sur cet étang. C'est surprenant. La forêt dite de la Boissière. Alors le chemin, la rando n'est pas toujours parfaitement dessinée. Ceux d'entre vous qui se souviennent de Torrier, ou certains avaient pris l'initiative. On peut camper aussi. Ah bon, on voit bien d'ailleurs la face. 13e siècle. C'est déjà pas mal. C'est un pont romain, c'est un pont romain. Alors là, l'intérêt de ce lieu, c'était vraiment une vraie botte féodale. Vous avez les trois espaces. D'accord. Le premier plan, il n'y avait que la terre, hein, qui monte en hauteur. Puis après, quand ils étaient un peu plus riches, ils ont mis des pierres, comme ça. Et enfin, un peu plus riches encore, ils ont construit carrément le donjon. Il reste le donjon. En tout cas, toutes les bottes féodales, c'est tout petit. Hein. Et vous imaginez, donc, il y avait le seigneur là, et ben, les paysans.
Arrête, s'il vous plaît. Non. Les premiers, ils ont essuyé le poteau. On a fait des soins comme ça, après la terre, après la ronde.